J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super et aujourd'hui on se retrouve sur Frostpunk pour, eh bien, pour un nouveau scénario. Voilà, on va commencer un nouveau scénario. Et coucou Anours, coucou Julien, comment ça va? Donc j'espère que vous êtes prêts, on va retourner dans le froid, oui, dans le froid rude et dur d'une fin du monde apocalyptique dans le froid. Goal congélateur, exactement, c'est tout à fait ça. Alors, petit résumé, nouveau départ, on l'a fait, on l'a réussi le scénario. Dans le mal, il y a eu des morts, mais on l'a réussi. Les arches où on devait sauver des cultures, on l'a foiré, voilà. Tout simplement, nos cultures ont gelé parce qu'il nous manquait du charbon. Et ben moi ça va très bien Julien. Et du coup, on en est donc aux réfugiés. Donc logiquement, je dirais qu'on va avoir plein de réfugiés à gérer, à aménager chez nous et à, de préférence, les faire survivre. C'est pas garanti s'il y a beaucoup de monde et est-ce qu'il y a aussi beaucoup de morts. Voilà, on est clair, c'est beau, allez, c'est parti. Cool, ça fera plus de viande. Ah non, un ours, c'était horrible. Les réfugiés. La sécurité offerte par le générateur était réservée aux Natis. Nous, nous en sommes emparés afin de pouvoir construire une ville où tous seraient égaux. Mais pouvons-nous réellement accepter toutes les personnes souhaitant se réfugier ici? Eh ben, bonne question. Est-ce qu'on arrivera à accepter tout le monde? Est-ce qu'on arrivera à faire en sorte que tout le monde survive? Certainement pas. Non. Non. Non, il va y avoir des morts, c'est sûr. Allez, c'est parti, on va essayer de faire de notre mieux. En tout cas, on est toujours en mode moyen. Hein, moyen surtout. C'est très bien. Et puis, allons-y. Allons-y. Chargement. Réfugiés, nous étions condamnés à périr avec le reste de la plèbe lorsque Londres a été détruite. Mais nous avons lutté pour notre survie. Nous avons réquisitionné les navires qui devaient servir à transporter les riches vers la relative sécurité du Nord. C'est ici que nous avons trouvé un générateur et l'utilisons pour notre survie. Nous devons maintenant rassembler notre peuple dans cette nouvelle ville avant que les Natis ne viennent voler notre liberté à nouveau. Nous ne nous soumettrons jamais. Ok, on a juste un générateur, rien de plus. Sauvez les nôtres. Après que les navires que nous avons volés Lord ont été bloqués dans l'océan gelé. Nous sommes partis en direction du générateur en formant de petits groupes. La plupart des nôtres sont encore en chemin. Ils ont au moins 2 semaines de provisions et la météo est de pire en pire. Évidemment, la météo est de pire en pire, sinon ce serait pas drôle. Nous devons tout faire pour qu'ils arrivent en ville sains et saufs. Ok, alors déjà on commence, on met pause. Pause. Alors, on a donc 43 personnes dans notre, je dirais notre cité, mais ce n'est pas du tout une cité, hein, on est d'accord. Il fait froid à partir de moins 200. On est à moins 20, je pense qu'il fait déjà bien froid. Ok, on va commencer déjà par construire des petites maisons. Pourquoi je ne peux pas construire des maisons? Parce que je suis en pause peut-être. J'ai peut-être pas le droit de construire quand je suis en pause. En tout cas, on va envoyer des gens ramasser des caisses de bois. On envoie tout le monde. C'est tout. On n'a pas plus de monde que ça, mais c'est terrible.
Alors du coup, on va envoyer quand même des gens chercher du charbon. Parce qu'on l'a compris, le charbon, c'est la vie. Maintenant, je peux construire les... Pourquoi ne puis-je donc pas construire de maison? Ah oui, parce que j'ai pas de bois du tout en fait. Je suis à zéro en bois. Ok! Go construire le simote. Oui? Je suis pas sûre que ce sera très utile, mais c'est pas grave. Besoin d'ouvriers! Allez, est-ce qu'on commence déjà à faire travailler nos enfants? Honnêtement, pourquoi pas, hein. Ouais, le travail des enfants, c'est bien. Pour se déplacer dans la neige, le simote. Ouais, on va faire travailler les enfants. Non, la recherche. Oh, la recherche, faut que je fasse ça tellement vite. C'est là le livre de loi. Ouais. Oh bah, c'est la fin du monde, hein. Les enfants, ils travaillent. Je sais, c'est dur, c'est comme ça. On a besoin de main-d'œuvre. Faut aller chercher du charbon. Ça va, ils vont juste chercher du charbon, ils reviennent. C'est pas non plus. Pas la mort non plus qu'on leur demande. On leur dit pas de travailler à l'usine. Ça va. Faire avec de toute façon. On va déjà avoir une baisse de température rapidement. Par contre, ouais, il me faut vraiment du bois de façon rapide. Par contre, il va falloir qu'on prévoie beaucoup de maisons. Parce que du coup, on risque d'avoir beaucoup de monde qui vont arriver. À mon avis, ils vont arriver en petits groupes non-stop. Ça va être compliqué. Par contre, ils ont rien à manger. Et j'ai vraiment pas de bois parce qu'il va leur falloir une cantine aussi. Il va leur falloir une petite cantine. On va leur mettre une cantine assez rapidement. Source de chaleur éteinte. Ouais, je sais, j'ai pas encore allumé. On a le temps, on a le temps. Économisons un peu le charbon. D'ailleurs, on a beaucoup de monde au charbon. On va les renvoyer un petit peu plus sur le bois. Parce que le charbon, on est bien. On n'est pas obligé de lancer le générateur tout de suite. On le lancera demain. Ça va, il fait pas si froid. Oh, il fait pas si froid. Un ours, il l'a dit, hein, tant qu'il fait moins 200, c'est bon. Alors, par contre, là, on va y mettre des enfants. Ouais, on va les faire travailler à la cantine, ils sont très bien. Voilà. Ils vont travailler à la cantine. Ils vont faire à manger. Et le distribuer, c'est pas compliqué comme travail pour des enfants. Hey, coucou Shadoxidia, comment ça va? Bon, on a que déjà des gens qui tombent malades, ça fait plaisir. On aime tellement les gens qui tombent malades. Des habitants. Oh, ça commence bien. Ah! Ok, on va peut-être allumer le générateur. Ça va. Se débrouiller eux-mêmes. Ben, on va signer pour le cimetière. Allez, on va faire un cimetière. Et coucou Xena! Premier jour, il y a déjà un mort. Moi, j'aime bien quand ça commence bien comme ça. Ah, ça va être compliqué encore cette histoire. Commence bien sa fille. Ouais, ça commence bien. Non, il est payant. Après, il date pas d'hier, donc c'est fort possible qu'il ait baissé, mais je ne sais pas combien il est actuellement. Du coup, il va falloir qu'on fasse un cimetière, mais j'ai déjà pas assez de bois pour faire des habitations. Alors, le cimetière, vous êtes gentil, vous allez attendre, hein. Les mecs, ils sont morts parce qu'ils n'avaient pas d'habitation déjà. Alors, commencez par me faire des habitations, on verra après pour le cimetière.
Voilà, on a assez de petites maisons pour tout le monde. Ensuite, on va faire un cimetière, parce qu'ils veulent le cimetière. Cimetière, on peut le mettre loin en vrai. Non, c'est pas ça que je cherche. Je fais des bêtises. On va mettre une route. Problème, c'est que toutes les routes, elles sont bloquées par quelque chose. Là. Voilà, on va mettre une route qui vient jusqu'ici. Ça m'utilise du bois, c'est terrible. Comment ça, vous pouvez pas faire les sons? Oh non, il y a déjà des gens qui arrivent! Bon, enfin, quoi qu'on a besoin de main-d'œuvre? Bah c'est bizarre, je sais pas pourquoi, c'est peut-être le site qui bug. Premier groupe est enfin arrivé. Nous sommes heureux d'apprendre que le sentier est encore praticable. Ils ont vu un autre groupe derrière qui devrait arriver sous peu. Une série. Ouais, le problème c'est que j'ai quoi? J'ai trois arbres ici qui se battent en duel. Donc en termes de bois, c'est pas terrible. Et de toute façon, il me faut déjà des ressources pour pouvoir faire la série. Donc voilà, pour le moment ça va être compliqué. Alors, on a plein de monde qui est arrivé. Bah, allez faire du bois. Ils vont me faire du bois. L'acier, non, pour moi j'en ai pas besoin. Allez travailler au bois, les mecs qui viennent d'arriver. Parce que du coup, il va me falloir plein de. Non, mais pourquoi? Ferme-moi ça. Il va me falloir plein de maisons en plus. Poste médical, ça serait. J'arrête avec ça. Sauf qu'il me faut 25 de bois. Voyez plus vite pour le bois. Je crois que c'est un enfant en plus qui est mort parce que là on était à 5 et là il n'y en a plus que 4. Je crois qu'une première victime ça a été un enfant. Quel dommage! Enfant blessé au travail! Ouais, bon, on lui donne un jour de repos. Prends un jour de repos, petit. C'est bon, je peux construire un poste médical? Voilà. Pour les blessés. Pour les malades. Il me faudra juste des jeunes ingénieurs. Normalement, on en a quelques-uns. Ah, et puis il y avait le cimetière aussi à faire. Est-ce que j'ai assez pour faire le cimetière? Oui, comme ça le cimetière on le met loin. Es-tu sûr que vous me la faites cette route? Travaillez plus vite aussi. Hein. Faut qu'il me fasse tout plus vite. Vraiment. Non mais c'est pas encore construit. Construisez plus vite! On va déjà avoir une baisse de température. Ah, là. Le cimetière. C'est bon. On a des gens confins aussi. Eh bah oui. Évidemment. Évidemment. Qu'est-ce qu'ils sont encore? Nous avons besoin d'une balise. Bah écoute, je fais ce que je peux. C'est prévu, hein, c'est prévu de la faire, la balise, mais d'abord il faut que je fasse l'atelier, qui est très urgent aussi à faire. Et coucou à coucou, comment ça va? Allez, on construit, hop. On met des ingénieurs là-dedans, on va commencer à soigner les malades. Il nous manque un peu de maison. Ça va aller. Ok, tout le monde a un toit au-dessus de la tête. Déjà pas mal, tout le monde a de la chaleur. Presque. On est bien. Par contre, la prochaine étape, ça va être
Cimetière établi. Oui, l'espoir remonte. Parfait, faites monter l'espoir. On va faire une cabane de chasse. On va mettre là ici. Parce qu'il va falloir aller chercher à manger. Et la prochaine étape, ça va être l'atelier. Pour ça, il va me falloir un petit peu d'acier. Il va falloir qu'on amène des gens à travailler à l'acier. Voilà. Allez travailler à l'acier. Parce que c'est bien, on va avoir plus de monde, ce qui veut dire plus de main-d'œuvre, mais ça veut dire aussi plus de gens à loger, plus de gens à nourrir, à soigner quand ils sont malades. Donc c'est bien et en même temps, c'est pas terrible. Mère poule, une mère a empêché sa fille d'aller travailler de crainte qu'elle ne soit blessée. Nous pourrions fermer les yeux cette fois-ci au risque que d'autres trouvent cela injuste. Ah, ça fait monter l'espoir. Laissons-la s'absenter. Juste pour une journée, hein. Pas abuser non plus. Alors, on a la cabane de chasse qui est faite. On va envoyer des gens y travailler. Voilà, on arrive au moins 30, mais ça tient, c'est bon, ça va. Ça va, moins 30. Ça va. En vrai, je serais pas contre qu'il y ait un autre groupe de personnes qui arrivent sous peu. Ah, sinon j'ai les objectifs, ils sont derrière moi, alors je vous les lis. Au moins 250 personnes doivent survivre. Attendre l'arrivée des groupes de réfugiés, 1 sur 10, ça veut dire qu'on a encore 9 groupes de réfugiés qui vont arriver. Construire une balise pour signaler votre position. Ok, c'est un peu nos objectifs. Pourquoi il n'y a personne qui est soigné dans ce poste médical? À court de caisse de bois. On n'est jamais à court de caisse de bois. Hors de question d'être à court de caisse de bois. Allez, travaillez. 250, c'est beaucoup. Ouais, 250, on est à 55. Il faut 250 personnes vivantes dans ma ville. Ouais. Ça va être compliqué. Oh! Ça va bien se passer. Je suis sûre que ça va bien se passer. On va y arriver. Ah, l'acier, ça monte pas assez vite. Hein. Les enfants, allez travailler à l'acier. Faut que ça monte un petit peu plus vite, s'il vous plaît. Faut que je fasse aujourd'hui la... l'atelier. Voilà, parfait. Je peux le caler là dans le trou, on le cale là dans le trou, l'atelier. Comme ça, on va pouvoir commencer les recherches. Donc on va commencer les recherches sur la baliste, déjà de base. Et ensuite on fera tout le reste aussi qui est très important. Un autre groupe arrive, d'autres de nos frères et sœurs viennent de nous rejoindre. Ils sont heureux de nous voir et d'être en ville. Nous serons enfin libres ici. À Londres, nous devions nous tuer à la tâche juste pour avoir un morceau de pain. Ok, on a 11 personnes de plus qui sont arrivées. On va mettre Max Enfant là-dedans, là aussi. Ah, c'est des ingénieurs qui sont arrivés. Ok, du coup, on va les faire travailler au poste médical et on va les faire travailler à l'atelier. On y croit. Ouais, ça va bien se passer. Ok, l'atelier, c'est good. Hop, on y met les ingénieurs. Maintenant, on va pouvoir aller dans l'arbre de recherche. Du coup, on va commencer par lancer la recherche sur la... baliste. Et les autres, vous allez aller me chercher de l'acier. D'ailleurs, il va falloir très rapidement découvrir à faire tout ce qui est scierie, aciérie. Parce que nos caisses là, ça va pas tenir 20 ans. Caisses de bois et tout ça, ça va pas tenir 150 ans. Pour un moment, ça tient. On prend. On va peut-être d'ailleurs, en prévision. Des nouveaux groupes qui vont arriver, on va construire quelques maisons en plus. Soyons prévoyants qu'il y ait déjà des maisons qui soient prêtes pour quand ils arrivent.
Ok, là c'est la nuit, tout le monde va aller dormir. Ils vont rien faire du tout. À part tomber malade. Oui, ça va, ils tombent malades. Peut-être falloir mettre un deuxième poste de soins. Y'a plus rien à manger aussi, c'est potentiellement un problème. Peut-être mettre un peu plus d'ouvriers à la chasse. Potentiellement, ouais, ça peut être un problème qu'il n'y a rien à manger. D'ailleurs, en termes de loi, on va faire de la soupe. Hein. La bonne sous-soupe quand il fait froid. Ça fera plus de rations. C'est nécessaire. Ouais. Bon, les recherches sur la baliste sont en cours. On n'a plus de caisses de bois. Les caisses de bois, ça commence à bien baisser. On va monter un petit peu le nombre de personnes qu'on a au charbon parce que ça baisse. Il y a des noyaux de vapeur ? Bah écoutez, je vais en envoyer un à aller chercher les noyaux de vapeur. Et s'il y a des noyaux de vapeur, récupérez-les. Ah, c'est super bien les noyaux de vapeur. C'est la vie les noyaux de vapeur. Qu'est-ce qu'ils ont ? Ration supplémentaire pour les enfants. À la suite du récent accident avec le jeune ouvrier, les parents soutiennent qu'il faut distribuer des rations supplémentaires aux enfants qui travaillent afin de les rendre plus forts et de prévenir les risques de blessures. Les enfants qui travaillent auront droit à des rations supplémentaires. L'espoir augmentera. Ok, on va donner des rations supplémentaires aux enfants qui travaillent, on est gentils. Est-ce une bonne idée? Je sais pas, mais on va essayer d'être gentils. Ne soyons pas des tyrans, voyons. On va essayer. Ok, la recherche pour la baliste, c'est fait. Du coup, maintenant, ce qu'il va falloir qu'on fasse, ça va être... On va commencer par accélérer la collecte. Ça peut se faire assez rapidement, ça. Ensuite, on commencera à débloquer le charbon. Le charbon, le bois et l'acier. À peu près dans cet ordre-là, ouais. Est-ce qu'on peut construire, par contre, la baliste? Non, on manque d'acier. Alors, on va baisser un petit peu le nombre de gens qui sont au bois. Le bois, on commence à être pas mal et on va augmenter un petit peu à l'acier. Bon, sinon, à part le premier mort au début, sinon ça se passe bien. On a plus que 5 malades qui sont traités. Enfants perdus. Des familles viennent d'arriver en ville. Malheureusement, des enfants se sont perdus près du tournant. Elles sont folles d'inquiétude et vous supplient d'aider leurs enfants. Ok, ça veut dire qu'il va falloir y envoyer une expédition pour aller récupérer les enfants. J'ai bien fait de faire des maisons d'avance. On a 35 personnes en plus qui viennent d'arriver. Du coup, vous allez bosser à la nourriture parce qu'on va vraiment en avoir besoin. L'acier, vous allez y travailler aussi. La pile de charbon, là, on est au max. On va renvoyer un peu des gens au niveau du bois. Ici, on a quoi? L'acier, encore des noyaux de vapeur et encore de l'acier. Des pots de charbon. Ça, c'est du charbon. On va être à court de bois. Par contre, il nous faut un poste médical supplémentaire. Hop, on va rajouter un petit poste médical. Bon, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Ouais, faut que je fasse les recherches rapidement. Une maison dans le jeu peut héberger combien de personnes? Alors les petites tentes qui sont là, ça héberge 10 personnes.
Après, quand je pourrai les améliorer, ça hébergera plus de monde et aussi elles seront plus chaudes. Donc ils auront moins froid. Et là, pour moi, ça va, c'est supportable. Très faible risque de tomber malade, mais ils tombent quand même malades. Hein. Le risque est faible, mais ils sont tout le temps malades quand même. Hein. D'ailleurs, ça augmente le nombre de malades. Hop, deuxième poste médical. Ouais, les arbres, on n'en a pas des masses, hein, à part là ici qu'il y en a, mais... Bon, ils commencent à avoir faim. On a des petits soucis de nourriture. Bon, les chasseurs sont revenus. Il faut plus de monde à la nourriture quand même. Ouais. Il faut plus de monde à la nourriture. Il faut plus de monde partout, mais en même temps, si j'ai trop de monde, ben, ça va être galère. Compliqué tout ça. Ok, il y a une pile de charbon qui s'est arrêtée. Tout ça veut dire qu'il y a des gens qui ne travaillent pas et ça, c'est pas acceptable. Tout le monde travaille. On va commencer en fait par la scierie. C'est parti, débloquons la scierie. Je pense qu'il n'y a que ça vraiment en arbre qui est récupérable. Parce que là, il n'y a plus vraiment de caisse de bois et tout ça, donc ça va être problématique. Ou du bois, sinon on va être dans la merde. Voilà, tout simplement. Par contre, on va avoir une baisse de température très prochainement et ça va poser problème. À court de débris d'acier. Et bah, je m'en fous, mais vous allez travailler ailleurs, mais... Vous allez travailler... Qu'est-ce qu'il y a encore ? La population a faim ! Ils ont faim. Capitaine, de plus en plus de voix s'élèvent pour protester contre le manque de nourriture. Ils ont faim depuis des jours et craignent de bientôt mourir de faim. Ils veulent que vous fassiez quelque chose. Vous avez 3 jours pour nourrir tout le monde. Et mettre 42 rations de côté? Ouais, non, mais... On va essayer de leur donner à manger. On va faire une deuxième cabane de chasse. Elle est pas reliée à la route, par contre. On fait une route. Ouais. Ils ont faim. On va essayer de leur donner à manger, hein. Ok, du coup, c'est des ouvriers qu'il nous faut, par contre, là-dedans. Est-ce qu'on a des ouvriers quelque part qui traînent? Là, j'en ai un, c'est pas beaucoup. Là, des ouvriers. Allez. Les ouvriers à la chasse. Faut aller chercher du gibier. Je sais pas trop ce qu'ils vont chercher, quand même, dans le froid, mais... Je sais pas trop ce qu'ils vont chasser, mais ils y vont en tout cas. Et oui, je ne sais pas, ils vont chasser la nuit. Je sais pas ce qu'ils chassent. Mais bon, tant qu'ils ramènent à manger, moi ça me convient. On va pas en demander plus. Au fait, et la baliste, j'ai toujours pas faite. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de la faire? Si, il y a moyen de la faire. On va la faire au niveau du cimetière. Hein. Non, là ça me bloque une glacier. Ben on va la faire devant le cimetière. Voilà, ça sera très bien. Ça sera très bien. On va bientôt avoir une chute de température. Ah, la baliste est construite. Ok, donc là on a... Ah, ben là on voit un petit peu les... Non, je voulais pas zoomer. Là on voit les gens qui arrivent. Donc on a 2 groupes qui arrivent là. Il y en a un qui arrive dans 8 heures et 20 minutes. Ça sera donc 15 ouvriers. Et ensuite, c'est dans 1 jour et 8 heures, on aura 15 ouvriers de plus. Il va nous falloir... Bah, une équipe. Je crois que c'est des ingénieurs qu'il faut.
Est-ce que c'est des ingénieurs qu'il faut? Non, c'est des ouvriers qu'il faut. Il me faut des ouvriers. Où est-ce qu'on a des ouvriers? Là. Ok. Du coup, là, on a les enfants. On va aller chercher les enfants, non? 15 heures pour aller chercher les enfants. C'est parti, allons chercher les enfants. Comme ça, les gens, ils seront contents. On a sauvé les enfants. Au moins, il n'y a pas de tempête en vue pour l'instant. Ouais, précisons bien le pour l'instant. Je ne suis pas sûre que cela reste ainsi. Bon, sinon, ça va. On a 51 rations. C'est bien, ça remonte. On va reconstruire des maisons. Parce que là, dans très peu de temps, il y a plein de gens qui vont arriver. On va refaire encore quelques petites maisons. Enfin, c'est des tentes. Hein. Faudrait les améliorer rapidement aussi. Ça serait pas mal du tout. Ok, on a la scierie qui est terminée. On va lancer la recherche pour le charbon. On va lancer la recherche pour le charbon et on va construire... Ah, en fait, il y en a plus que ce que je pensais du bois. Où est-ce qu'on peut le mettre qui serait pas mal? C'est ça qui me gêne, en fait. Parce que là, je vais en casser du bois. Non? Ça va? Hop, on y fait juste... une petite route qui y va comme ça, et ça ira. Ok, on va être bon au niveau du bois. Ok, ils ont faim, ils ont très faim. C'est juste parce qu'ils vont manger en fin de journée, mais là tout le monde va manger, ça va aller. Ça va aller. Un autre groupe arrive. Un peu plus d'une douzaine des nôtres à atteindre la ville. Ils regardent autour d'eux avec émerveillement. Le générateur est incroyable. Et dire que les lords voulaient garder cet endroit pour eux. Et oui. Il voulait garder ça. Par contre, avec le monde qui arrive, on va rajouter une cabane de chasse. Attendez, j'aime pas. On essaye de faire quelque chose de propre quand même. Hop. On va continuer la route. On va essayer de coller ça à la route. Essayons de faire quand même quelque chose d'à peu près propre. La nourriture, en fait, ça commence à poser des soucis. Ok, les habitations, en tout cas, on est bien. Ok, allez bosser à la nourriture. Allez chasser les gens. Ouais, parce qu'en fait, ils ont déjà tout mangé ce qui a été fait. Ces gens mangent beaucoup trop. Ils mangent beaucoup trop. Et on est déjà à 100 personnes. On est déjà à 100 personnes dans la ville. Ok, les éclaireurs ont trouvé les enfants. Perdu de vue. Hey, coucou, pige magique, comment ça va? Une petite cuvette le long du coude abrité. Des gens de chez nous. Leurs provisions sont tombées dans une crevasse et ils ont établi un camp ici en espérant l'arrivée des secours. Les enfants perdus sont arrivés par hasard dans ce camp il y a quelques jours. Quelle chance que nous ayons trouvé à temps. Site découvert, scierie abandonnée. Alors soit on les escorte et ils arrivent sains et saufs, soit on les envoie en ville et c'est pas sûr qu'ils arrivent tous, soit... abandonner les réfugiés à leur sort. Ah, c'est cruel. On va les escorter jusqu'en ville. On les escorte, voyons. Miaou. Bien sûr qu'on les escorte. Bon, il me faut des gens pour travailler à la scierie, là, maintenant.
Les enfants peuvent pas travailler à la scierie. J'ai plus que des enfants disponibles. Bah, quelle question! Évidemment que j'ai des chats chez moi. Évidemment, voyons. Est-ce que je peux envoyer les ingénieurs travailler là? Ouais. Va y envoyer les ingénieurs. Bon, et les mecs, ramenez à manger parce que sinon ça va commencer à être compliqué aussi. Par contre, il va faire froid aussi. Peut-être falloir pousser un peu le générateur, non? J'aime pas trop activer ce truc, mais on va peut-être l'activer un petit peu. On consomme beaucoup. Un petit peu, hein, faut pas abuser non plus. Et ils peuvent pas faire à manger parce qu'il n'y a pas assez de chauffage. Alors qu'il y en a plein qui ont faim. C'est à plaisir. C'est un réel plaisir. Ok, ils ont ramené 15 enfants et 4 ingénieurs. Parfait les mecs, c'est bien. Du coup, les recherches, autre truc indispensable et à faire rapidement, ça va être la scierie. Forcément. Tant pis pour le chauffage, il me le faut absolument. Enfant perdu retrouvé, capitaine Le Groupe en provenance du tourment a atteint notre ville. Les enfants perdus sont avec eux, les parents sont rassurés. L'espoir augmente. Ouais. Par contre, on va les renvoyer en expédition. C'est parti. Allez, au boulot. Du coup, les enfants, vous allez travailler, vous êtes gentils. Les ingénieurs, on va les envoyer à la scierie. Il nous reste encore des enfants? Eh ben, ça va travailler, les enfants. Tout le monde travaille ici. Tout le monde. Bon, mais le chauffage, ça va vraiment être un problème. À court de caisses de bois, à court de tout, ça y est. On est en train d'éliminer tout ce qui nous reste de ressources à porter. On va plus rien avoir. Et il y a encore 15 personnes qui ont faim. Un de nos habitants est tombé gravement malade à cause d'une engelure. Cela se reproduira si les gens travaillent dans le froid. Bah on va partir sur le traitement radical encore. Traitement radical, c'est très bien. Moi je dis on coupe, hein. On coupe les jambes. C'est parti. Ça fait longtemps qu'on n'a pas de coupé de jambes. Ils s'en remettront. Ils survivront. N'oublions pas qu'on est là pour survivre, hein. On n'est pas là pour autre chose. Ok, on a débloqué la scierie, c'est parfait. On va pouvoir commencer à débloquer les radiateurs. On va commencer avec faire le chauffage. Et par contre, la scierie, on va commencer aussi à en construire une. Emplacement avec Alide. Ah oui, ça se met avec des emplacements particuliers, ça. Et il nous faut une route. Voilà, une jolie petite route. Ouais, il me faut vraiment le radiateur histoire de pouvoir chauffer la cantine. Si je veux pas chauffer la cantine, ils vont pas pouvoir manger. On a un autre groupe d'habitants qui est arrivé. Ce groupe a été pris dans un blizzard furieux. Ils ont suivi la lumière de notre balise pour se guider à travers cet enfer gelé. On n'a plus assez de maisons. Il va falloir qu'on refasse au moins 2 maisons. Je sens qu'on va vraiment avoir beaucoup, beaucoup de monde. Et peut-être même trop de monde en vrai. Ok, on a 40 personnes qui sont en train de crever de faim. Ça y est,
Et lui, il est en train de surchauffer de ouf. On va le couper un peu avant qu'il explose, sinon ça risque d'être le bordel. Parce qu'il explose, c'est le game over, quoi. Ok, tout le monde est malade, tout le monde crève de faim. C'est parfait, tout va bien. Faudrait juste que les... Soit que les températures remontent, soit que je débloque le chauffage, le radiateur. Avec un petit peu de radiateur, ça irait mieux. Niveau de la consommation, on est en baisse. Ok, on a 15 personnes qui ne travaillent pas. Attendez, j'ai pas fait le... L'extracteur hydraulique. Faut le faire, sinon on aura plus de charbon et ça risque d'être problématique. D'ailleurs, là encore, on a des stocks de charbon encore qui traînent, on va aller chercher ça. Ils ont vraiment faim! Ils ont vraiment très très faim! Ok, les éclaireurs sont arrivés, on explore, il y a quoi de beau? Il y avait sûrement un avant-poste ici, il y a plusieurs années. Il ne reste plus que cette scierie gelée à présent. Eh ben, ça fait un peu de bois, on prend. Y'a rien d'autre? Pas d'autre endroit où aller? Non, parce que sinon on va visiter ça. Dans un jour, on a encore... Il y a beaucoup d'enfants, par contre. 20 enfants et 20 ouvriers qui arrivent. Beaucoup... Beaucoup d'enfants. Par contre, je crois qu'on va signer la loi des rotations d'urgence. Faut que les recherches se développent plus vite. Ouais, je sais, ils sont pas contents, mais... Si ce soir, ils ont pas terminé de les recherches sur le chauffage, je lance la rotation d'urgence. À quoi qu'il va faire plus chaud? En tout cas, la loi, elle est signée, si j'en ai besoin. Mais ils ont mangé les rations crues. Ah! Ils ont mangé la nourriture crue, en fait. Premières amputations. Ouais. Tout va bien. Alors par contre, la loi sur les maisons de... Je viens d'en signer une, je peux pas la signer. Faudra que ça attende. Je les ferai, les maisons de soins, mais pour le moment, c'est pas possible. Ok, on a le radiateur, c'est bon, on va pouvoir chauffer la cantine. Et occasionnellement aussi le centre de soins. Il y en a besoin. Et on va pouvoir développer le premier niveau. Allez. Et on a 29 personnes qui font rien. Ceci est inaccessible, inacceptable. Il y en a encore 20 qui travaillent pas. C'est les enfants, ça. On va retirer les ouvriers, on va mettre les enfants. Les enfants, vous allez travailler. Ouais, 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 ça va bosser, les enfants. Ah, on a personne qui travaille à la scie. Qu'est-ce qu'ils sont encore? Inadmettable. Ouais, inadmettable. Hein. Davantage de lits. Oui, je sais, on a des malades. Ok, je vais ouvrir un nouveau poste. Par contre, le problème de risque de famine, ça, je l'ai pas réglé. Du coup, ils vont pas être contents. Les gens... Voilà. L'espoir diminue et le mécontentement augmente. Voilà. Parce que j'ai pas réglé le problème de la famine. Ils sont jamais contents, ces gens. Attention de maille à grève. Ah non, mais eux, ils font pas grève. Hein. De toute façon, s'ils font grève, ils sont morts. Pas de grève qui tienne. Ouais, du coup, ils ont mangé toutes les rations crues. Et du coup, je peux pas les transformer en rations cuites. Et du coup, bah, ça fait moins de rations pour tout le monde. Et voilà. Fallait pas manger la nourriture crue, ils sont fous. Il me faut des ingénieurs. Est-ce qu'on a encore des ingénieurs quelque part? Dans les débris. Non, ça c'est des ouvriers. Là j'ai des ingénieurs. Donc on va retirer les ouvriers qui sont là. On va les mettre ici. Comme ça on va mettre les ingénieurs. Ici. On met le radiateur.
promesse sur les soins tenus, l'espoir augmente. Eh ben, ça fait pas de mal. Non, honnêtement, ça fait pas de mal. Et le reste, on va les faire travailler un petit peu à la scierie. Dans 20 heures, on a un nouveau groupe de personnes qui arrivent. Non, pas du tout, c'est l'expédition en fait qui arrive dans 20 heures. Dans 18 heures, on a un groupe qui arrive. C'est encore plus tôt. Et je n'ai plus de bois pour rajouter des tentes, j'espère qu'il y en aura suffisamment pour tout le monde, ce qui n'est pas garanti.